Bonjour à tous les gamers. Donc on se retrouve sur un nouveau jeu. Je ne vais pas vous dire lequel pour l'instant. Juste en voyant cette image là, dites-moi si ça vous fait penser à quelque chose. Ça vous fait penser à un jeu ou pas? Bon, après ceux qui savent parler chinois arriveront à me dire ce que c'est, mais voilà. Pour l'instant, si vous voyez juste ce que c'est avec les images qui ça comporte, franchement, je dis moi, vous êtes bien. Donc ce jeu, c'est Cat Mario. Un jeu... comment on pourrait dire? Un jeu dingue. Un jeu où il faut avoir une case quand même pour y arriver et pour le faire. Avec une musique terrible, comme vous pouvez le constater. Voilà, comme vous voyez, on explique les touches. Hein, voilà. Voilà les touches. Vous comprenez? Moi aussi, hein, c'est tout à fait ça. Alors moi je dis déjà, si vous avez compris les touches, vous êtes un bolos. Franchement. Mais pas juste, ouais, faut appuyer sur en bas en haut. Hein. Non, non, tout le truc. Bon allez, c'est parti. Bon bah niveau 1, hein, de toute façon. On a 3 vies. Bon, je pense qu'on aura besoin d'un peu plus de vie. Donc ça joue toujours avec les flèches du bas et du haut. Pas compliqué, entre guillemets. Aïe! Je sens qu'on va rager dans cet épisode, je sais pas pourquoi, il y a quelque chose qui me dit qu'on va rager. On va voir. Tac. En plus, c'est... il y a une musique vraiment, mais... dégueulasse. Mais t'as cru m'avoir, toi. Hop là. Ah bah, c'est bon, c'est pas méchant. Voilà, on a eu plein de pièces. Je sais pas si on récupère. Ouais, si on récupère. Voilà. Ah non, non, non. Bordel. Non. On avait sauvegardé. Putain. On a plus de vie. C'est grave. Non mais sérieux, franchement, pourquoi à chaque fois je sais qu'il y a un truc qui va pas, je fais dedans. C'est fabuleux, je trouve. Bonjour, ça va. Bon, moi hein. Non mais je le sais en plus, hein. Je le sais, y a pas. Oh mais je peux passer là en fait, c'est cool. Putain. 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 Non mais... comment je passe? Déjà le trou il sert à rien. Voilà, comment avoir un trou qui sert à rien? Non mais... c'est quoi ce lol? On peut même plus bouger. Allô? C'est moi? Bonjour. Vous pouvez m'aider? Non mais le pire c'est que je peux rien faire du tout en fait, je suis quand même bugué. On se retrouve pour Cat Mario encore une fois. Parce que en fait, Cat Mario a gentiment bugué. Très très gentiment bugué. Donc du coup, j'ai dû tout recommencer. Allez, hop, on se déconcentre pas. On était vraiment bien parti en plus. Donc c'est vrai que... ouais, ça c'est pas la classe ça franchement. Donc on se rappelle... ou pas. De où tout à l'heure je suis resté buggé. Donc on va essayer de pas recommencer les mêmes conneries. Ouais. Ok. Pourquoi pas. Franchement. Sérieux, c'est une musique dégueulasse et franchement qui fait plus stresser qu'autre chose. C'est moi qui le mets en plus, bordel. Yeah. Bon.
Tu vas faire tous les points d'interrogation, un peu comme dans Mario en fait, hein. C'est drôle cette affaire. Non mais. Sérieux. Et si je remonte dessus, enfin si j'arrive à remonter dessus, hein, ça redescend. Mais ça, je peux pas monter dessus en fait. Ah non, il descend pas. Hein. Par contre, il sait bien monter, hein, mais y a pas de problème, mais pas pour descendre. Tic. Moins deux. Vous voulez voir un cube qui monte tout seul? Hop là! Hop là! Hop! 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 Franchement, je suis à côté, quoi! Putain! Oui, oui, forcément, oui. On dit rien, mais on en pense pas moins. Et il est content en plus, c'est ça. Depuis quand il avait un cube là? Qui a mis le cube? Qui? Putain. Bon, je disais, pourquoi il est content le. Le 4 Mario. Bon, du coup. Non! Putain! Ah, sérieux, c'est un jeu, mais rageant, rageant. Putain. Le pire, c'est qu'en plus, c'est pas que t'y arrives pas, c'est que t'es au courant qu'il y a tout ça. Mais t'essayes tellement de penser à comment faire pour le prochain truc que du coup, tu oublies ce que tu as vu. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Voilà, comme là, tu vois, voilà. Je me concentrais sur le putain de trou en face, mais j'oubliais qu'il y avait la plateforme en haut qui se cassait la gueule, hein, forcément. Et le pire, c'est que tout à l'heure, j'ai quasiment fait direct, on va dire ça comme ça, pour aller à la moitié. Mais là, je vais en chier ma race, quoi. Voilà, comme ça, c'est au moins là, c'est clair, précis, y a pas de problème. Voilà, on est content, on est bien dans le trou, là. Putain. Là tu passes, là tu vas tout droit. Tu fais attention à ta tête. Tu fais attention à ta tête parce que ça tombe. Et quand ça tombe, il faut faire attention. Mais ta casque. Non, non, voilà. Eh bien, beau rattrapage de notre ami. Nop. Oups. Ta-ta-ta-ta. Ok, au moins là c'est bien, on est bien là. On est bien. Oui, on essaie de se détendre. Je crois que ça sert à rien en fait de se détendre parce que c'est encore pire. Ta-ta. Franchement, j'aimerais quand même y arriver quoi. Enfin, je sais pas non plus. Nul! Hein? Ah si, un petit peu quand même, mais ben... Pas trop non plus, quoi. Putain, il est tombé sur la gueule. Non, c'est bon. Bon. Attention, feinte. Voilà. Hop là. Oh, le drapeau! Où est le drapeau? On a eu le... Ah, ça, on connaît. C'est pas normal. Normalement, les étoiles, ça donne des beaux pouvoirs. C'est nul. Je suis pas d'accord. Non. Bon. Ceux qui sont bas la merde. Voilà. Voilà, voilà. Putain, où je suis resté bloqué tout à l'heure. Sérieusement, dites-moi comment on sort de là. Ah, mais dites-moi, parce que là, je sais pas. Voilà, et monsieur ne veut pas tomber dans son trou. Ah si, faut y aller doucement quand même pour aller dans le trou. C'est qu'en fait, je vais être un peu trop rapide. Il voit pas qu'il y a un trou qui peut y tomber dedans. Mais par contre, là, il voit bien. Y'a pas de soucis. Putain,
C'est un jeu de malade. En fait, là, c'est le jeu quand t'as rien à faire, tu sais pas quoi faire, et t'as envie de t'énerver, mais y'a personne pour t'énerver, en fait. Enfin, pour... Ok, je me tais. Bon, on réfléchit. Ouais, on réfléchit. On y va. Hop. On est bon. Putain, le nuage. Oh putain, le nuage. Le trou, le nuage, la machin, la truc, l'étoile aussi, le numéro. Et le trou. Et le trou. Et le trou. Ta-ta-ta-ta. Non, bah non, c'est cuit encore. Ta-ta-ta-ta-ta. Là, faut quand même aller très doucement pour retomber dans le trou, hein. C'est quand même terrible, ça. Putain. Je sais pas, moi, personnellement, j'ai jamais trop joué à Mario, en plus, quand j'étais petite. Ça a jamais été vraiment mon jeu phare, entre guillemets. Et là, je me suis dit, bah tiens, il y a 4 Mario. Le nuage. Le nuage. Le nuage. Bordel de merde, le nuage. Je n'en ai pas. Attention. J'en ai marre. Le pire en plus, c'est quand tu tombes là, t'as pas le choix en fait. Soit tu te casses la gueule, soit tu restes là et puis tu regardes ce qui se passe et puis voilà. Il lève le bras, il proteste. T'as raison, mon garçon. T'as raison, faut protester dans la vie. Putain. Bon, stop. Le nuage. Pas oublié, le nuage. Après le nuage, les 4 boules. Les 4 boules de graisse là, qui vient nous faire assez les couilles. Voilà. Donc, on est là, on fait ça. On fait ça. On s'apprête à monter, sauf que on se barre. Bonjour les gars. Hop là. Je sais pas pourquoi j'ai envie d'aller super tranquillement, mais... j'ai fini le... comment je dois le prendre? Mal? Peut-être? Peut-être mal, hein. C'est ce qui me semble. Les Mongols. Là, ouais, on est jumeaux. Ah non, on est quadruplés. Là, j'ai vu un truc bizarre jaune tout à l'heure. Et le truc trop chum. Mais ce qui me saoule, c'est que je peux rien faire en fait. C'est quoi cette arnaque là? Ça, je peux rien faire avec les touches. C'est automatique quoi. Enfin, c'est de la merde, oui, je sais. Putain. Le pire, c'est que tu le sais qu'il y a ces mongols là, tu le sais. Mais non, tu y vas quand même. C'est comme dans la vie, tu vois. Dans la vie, on te dit, ne va pas là, c'est mauvais, mais toi, en fait, plus fort que toi, tu vas y aller. Je sais pas pourquoi, mais il y a un élément qui fait que t'as envie de... t'aimes le risque, t'aimes le danger. Et du coup, tu vas y aller. Et au final, t'aperçois que c'était une très mauvaise idée.
Bon, en gros, le but du jeu, ça va être de passer. Mais non, même de l'autre côté, je peux pas de l'autre côté. Ou alors, c'est même pas de sauter, en fait. C'est tout simplement passer par en bas. Passer par en bas, ça pourrait peut-être pas être mal. Maintenant, là, maintenant, on maîtrise, hein, sans souci, le nuage, les gogoles. Hop là, les gogoles. On est des gogoles, on est des gogoles. Alors, donc du coup, la technique serait de faire ça. Forcément, il va pas venir, cet abruti de fiche de chien. Allez, vas-y. Mais putain, mais c'est... Avant de faire ce jeu, avoir bien dormi, avoir bien mangé. Avoir un bon poutine bowl aussi pour se défouler après le jeu. Sont les conditions nécessaires pour être un bon gamer sur Cat Mario. C'est, je vous jure. Vraiment. Non mais, sérieux. En plus d'être dur, faut réfléchir. Parce qu'en règle générale, les gens intelligents sont pas forts. Et inversement. Je parle de vraiment super... super fort. Vraiment, les bodybuilders, etc. et tout, ils vont pas non plus avoir une intelligence de d'un surdoué. Voilà. C'est aucune critique que je fais, hein. C'est juste la réalité des choses. Soit t'es plus bon au niveau du corps, soit au niveau du mental. Et en fait, là, faut être les deux. Ça fout. Là, c'est plus le mental qui joue, hein, mais c'est pas quand même le physique, parce que le physique, il prend cher aussi, parce qu'il faut se énerver un petit peu quand même, hein. Le nuage. Et Google. J'ai trop le chat, j'ai trop drôle. Ils me font la peur. Les gogoles. Faut que je fasse une musique à ces quatre là quand même. Nous sommes des gogoles. Bon, le but du jeu, ça va être vraiment que je prenne de la puissance pour passer. Je fais quoi après? Question con, je fais quoi? En fait, fallait prendre le drapeau. Et en gros, c'est vrai qu'en gros, quand on va trop loin dans la simulation, hein, on a tout ce qu'à l'arrière, on peut pas revenir en arrière. En fait, c'est bloqué. Et du coup, bah le drapeau, il était parti entre guillemets dans le blocage. Donc en gros, j'ai trouvé la solution, maintenant il n'y a plus qu'à l'appliquer. Ouais, c'est ça en fait, tout à l'heure c'était un repérage et tout. Et maintenant, on passe à l'action. C'est là, je me craque complètement, on vous allez bien rigoler. Bon. Oui. What's up? YOLO? Yuba? J'étais trop loin pour les gogoles. C'est la quatrième marche, pas la cinquième. Moins 48. Putain. Tu peux descendre, merci. Et ça, vous imaginez qu'on est que level 1? Non mais... Je sais pas si vous imaginez vraiment. Le pire, c'est que tout ça, on le sait, hein. On l'a appris, hein. Mais non, 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 on a
tellement concentrés sur comment prendre le drapeau là-bas qu'on ne pense plus à ce qu'il y a avant. Non, si ça va pas, ça. Bon, tu sautes là. Hop. Voilà. 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 Le nuage. Le nuage. Allô, maman, bobo. Pourquoi tu m'as fait, je suis pas beau. J'en ai plein le cul de ce jeu de quête Mario. Le nuage. Les gogoles. Les gogoles. Les gogoles. Nous sommes les gogoles. Nous sommes les gogoles. Bon. Voilà, et là. Oh putain de sa mère! Bon, je crois qu'on a bien ragé. Je pense qu'on a fini l'épisode 1 en une vingtaine de minutes, hein. Je pense qu'on va arrêter là. Psychologiquement, je pense qu'il vaut mieux arrêter là. Je ferai peut-être l'épisode 2 plus tard. Jamais, j'en sais rien. Mais non, pour l'instant, on va s'arrêter là. Voilà, donc bonne journée à tous les gamers, hein, bonne vidéo. Et puis, bah, bientôt sur nouveau gameplay, nouvelle vidéo. Voilà, allez, bonne journée à tous.